Nous sommes le mardi 19 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'infos. Le tueur de masse Breivik demande une libération conditionnelle après seulement 12 ans de prison. Les médias d'État russes pensent que Trump va annuler le plan de missiles de Biden. La Russie a commencé la production en série d'abris antiaériens mobiles capables de protéger des ondes de choc et des radiations d'une explosion nucléaire. Le président allemand Scholz exhorte Xi Jinping à utiliser la force pour freiner l'escalade de la guerre en Ukraine. Des écoliers blessés par un SUV en Chine, troisième incident majeur en une semaine. Les alliés de l'OTAN punissent l'Iran pour son soutien à la Russie avec de nouvelles sanctions massives. Les nations européennes dénoncent les attaques hybrides russes et lancent des enquêtes sur les coupures de câbles. Un hacker a obtenu un témoignage scellé compromettant contre Matt Gaetz, choisi par le président Trump pour le poste de procureur général. 5 officiers brésiliens arrêtés pour complot visant à tuer le président Lula. Le porte-parole du Hamas dénonce la décision des États-Unis de le sanctionner. C'était une aiguille dans une botte d'infos, et je vous dis à bientôt.